Désolé, c'est trop fort, je vous avais coupé le son, je suis un boulet. Attendez, en fait, chez moi, j'ai mon chat, il est venu squatter et je suis un chien. En fait, ça fait plus. Allez, barre-toi. C'est bon? Tu fous, d'habitude, tu peux pas. Ça fait. Non, désolé, du coup, mais tu ne viens pas dans ma chambre. Elle est venue. Bon, c'est bon, tout est réglé, putain. Il a plu aujourd'hui, elle est restée dehors. Je sais plus ce qu'il faut faire, ça fait 1000 ans, je sais pas jouer. À... C'est à moi elle qui. J'arrive. Désolé, hein, parce que du coup je me suis fait intercepter par mon chat et... C'est bon, hein. C'est bon, j'ai plus rien à faire. Je ne peux plus fumer ma cigarette. Bon, attendez, je vais le temps de regarder les quêtes, hein. Je vais pas mettre ma cam. On va regarder ce qu'il faut faire. J'ai pas envie d'aller voir les moires, moi. Ça c'est loin. Ah ouais, il y a un moment, il n'y a plus de choix, hein, je suis niveau 9. Je sais pas si je vais voir le premier. Enfin, un des deux, ça baise l'autre. On va aller faire ça. On va ajouter les quêtes sur le chemin. Et puis voilà. C'est mieux. Putain, mais moi, la quête que j'avais faite, elle me dit de faire ça. Putain. Oh. J'ai jamais été ici, hein. Bon. Les morts, je crois que c'est dans le coin. Faut pas que je me plante. Arbre du pendu. Vas-y, on va aller, quête. Auberge de la croisée des chemins. Allez, let's go. Comment on joue? Il est où le cheval? J'ai juste fumé ma clope et après, je remets la cam. Comme ça, au moins, on est tranquille. Sinon je vais la rallumer toutes les secondes. Enfin après je sais pas hein, s'il y a des dialogues. Et il vient pas de cheval. Vas-y, je vais acheter un écran G5 et me faites pas de tearing. Hein. Putain, il fait stream avec OBS, du coup j'ai pas l'habitude. Putain, il fait des trucs chelous. Je veux bien que j'ai des formats d'écran différents, mais faut pas déconner. Allez, Allez, Ablette. Ah non, j'ai du Turing, non.
Mais pas G5 ce jeu de merde, ça marche comment? Je vais péter un câble, on a eu mon erreur. Faut que je fasse un truc avec mon écran, mais quoi? Ah mais arrête de t'arrêter. Ah mais je dois aller. Ah, c'est bon, y'a rien qui a marché, je crois. Ah, merci. Croiser les chemins. Ah mais ça va être injouable, je vais pas jouer comme As. C'est sûr que sur le retour c'est nickel. Je devrais jouer avec l'autre écran mais j'ai pas envie d'avoir un torticolis. Ah ouais non mais c'est pas jouable. Je vais remettre la V5. Sans deck. Ah ouais je peux pas savoir. Casse les couilles. Ah oui, on va dire que c'est pas grave. Putain, j'avoue. Tant pis, hein, je vais fumer. Parce que je sais que ce jeu-là, j'avoue, je fume jamais. J'ai trop l'habitude de fumer avec des manettes. Garder mes clopes pendant 10 ans. Non, mais vas-y, là par contre, ça. Non, je veux pas. Je dis non. Je suis désolé, ça va prendre du temps. Sans deck. Il y a un problème. J'ai retiré tout à l'heure à V5, je sais pas où c'est. Ça me nique tout mon setup, hein, ce qui m'étonnerait pas. Ah mais je sais pourquoi ça fait ça. Hein. Ok. Parce que j'ai acheté un écran 2K et ma 1060 et elle le fait pas tourner. Je pourrais, mais en 50 FPS, ça m'intéresse pas. Du coup, en natif, je suis en 2052. Au lieu de 2500. Du coup, ça fait des petits changements de format. Je vais oublier. Voilà, du coup, ça se trouve, ça vous fait des lags ou... Oh non. Alors, tu cherchais la sorcière avec laquelle Cyril s'est... Ah, je perds des FPS direct avec la V5. Là. Kira Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Cyril aurait séjourné. Geralt poursuivit donc sa route avec Kira en quête du repère du mage. Il s'avéra que Cyril n'était jamais parvenu jusqu'au mage elfe. Mais la chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Geralt. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Kira lui fournit une nouvelle piste. Les moires du marais de Torséchine. Oui, mais j'ai pas envie d'aller les voir. Bon. On peut jouer ou pas? Faut mettre la V5 avec la G5. Non, c'est quoi ce monde? Ah, la blette. Je crois que j'ai trop pété mon bouton A de ma manette. Mais bon. Franchement, j'ai pas de thune pour acheter une Elite 2. N'empêche que j'avoue, mais je un coq. J'aimerais que ça a stabilisé mes FPS de ouf. Sur mon très grand, je jouais pareil et mes FPS, ils étaient jamais stables. C'est un délire.
Tablette. J'avoue, vous voyez pas la quête que je fais là. Ouais, je suis où? J'avoue, j'ai traversé le jeu, j'ai même pas. Allez là! J'espère que si ma voix allait éteindre, ça se trouvait trop forte. Ça ne m'étonnerait pas. Ouais, j'ai baissé de ouf là, non, même pas. Allô, allô, allô? Si tu parles comme ça, ça marche comment? Normalement, là, je vais régler mon setup, il est quelle heure? Là, je peux pas avoir mon temps de live sans deck. C'est de la merde. Non, mais je baisse de ouf. C'est-à-dire que sur OBS, genre, ça capte mieux. Parce que dans ce cas-là, tant que je fasse ça, même si c'est pareil. Je viens de baisser et c'est pareil. En vrai, je vois pas le diff. Parce que peut-être que je parle pas en face, mais. Je vois pas le diff. Ouais, c'est pas grave. On verra le retour. Là, j'ai tellement des lives à l'arrache. Non, là, ça se voyait, c'était trop fort. Là, peut-être. Là. D'habitude, je parle pas aussi fort, j'avoue. Après, ça casse les couilles. Mais je vais laisser comme ça. De toute façon, je connais pas mon temps de live, donc. Quelqu'un qui est là pour son live pour me dire c'est de la merde ou pas. Plus vite. Ce serait appréciable. Bonjour. Bien sûr que j'ai laissé passer, vous êtes des ouf. On ne passe pas. Une épidémie de peste a éclaté en ville. La peste Non. Nos ordres sont d'empêcher quiconque d'entrer en ville, sauf présentation d'un permis. Qui a ordonné la fermeture des portes de la ville? Le roi en personne, si j'en crois la rumeur. Il ne veut pas que les va-nu-pieds et les réfugiés puissent partout dans sa belle ville. Et puis, quand les gens peuvent aller et venir à leur guise, les espions parviennent toujours à passer les mailles du filet. Là, ça va leur compliquer les choses. Bref, on ne passe pas sans permis. De quel genre de permis est-il question? D'un permis de transit ordinaire. Et qui délivre ce document? Comment je le saurais? Je suis qu'un planton, moi. C'est de ça dont vous parliez? Laissez-moi voir ça de plus près. Oh putain, je suis pas testé. De quoi? Le département de la défense civile, ils l'ont encore oublié. Ils sont sacrément négligents en ce moment. Enfin, ça arrive. Ouais, vous pouvez passer. Bah, ok. Je sais même pas checker s'il y a des panneaux. J'ai pas besoin de les check en fait, je peux les prendre cash. Peut-être je suis passé à côté, je sais pas. Peu importe. Souvent étroite, heureux dans les villes. Limité. Je m'en fous. Putain, mais mon jeu il tourne bien, je peux vraiment pas le mettre. Je suis désolé.
Bah, je suis en élevé. Je sais pas ce que ça sent. Je vais tenter. Hein. Au pire, je quitterai. Toujours quitter le jeu. Hein, pour que ça soit pris en compte. Je kifferais, hein, mais d'ailleurs, j'ai testé. C'était, franchement, c'était pas ouf. Là, ça m'étonne que mon écran il soit tout le temps à 60. Enfin, vous voyez pas, je sais pas pourquoi des fois ça capture et des fois non. Panneau Nvidia. Ah, capture de jeu. Capture d'écran. Alors, tu cherchais la sorcière avec laquelle... Je crois pas. Hein. Gérald tomba sur une vieille amie, Kira Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuivit donc sa route avec Kira, en quête du repère du mage. Il s'avéra que Ciri n'était jamais parvenu jusqu'au mage elfe. Mais la chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un... Surtout chez les Noirs, ça va être chaud. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Kira lui fournit une nouvelle piste. Les Noirs du Marais de Torséchine. Tadana. Vous voyez pas, 59. Bah vas-y, let's go. 57. Dis qu'il va pleuvoir, je vais tomber à 40. Et vous, ça lag? Ouais, on n'a pas le même résultat. Quand je vais regarder sur internet, je vais être deg. 51, voilà. C'est bon, je fais tomber. C'est vraiment... Ah, non, non, non. C'était, comment dire... Optimiste de ma part. J'ai pas 800 balles, là. Pour une carte graphique, malheureusement. On va devoir se contenter du 2050. Je sais pas si ça marche bien chez vous, si ça vous fait des bugs de ouf quand je fais ça. Alors qu'il cherchait... Par contre, faut que je cherche un M2 parce que attends, 1000 ans. Gérald tomba sur une vieille amie, Kira Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuivit donc sa route avec Kira. Chelou que mon compteur aussi, de tous mes trucs, il est pas à jour. Jamais parvenu jusqu'au mage elfe. Je sais pas comment je peux faire. Chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Gérald. Ça vous nique l'histoire. Mais... Commencer à perdre espoir, Kira lui fournit une nouvelle piste. Les Moires du Marais de Torséchine. On peut pas actualiser. C'est de la merde. Ok, donc ce sera jamais à jour. Je sais pas pourquoi. Admettons. Bah putain, moi je le vois, hein, que je suis pas à fond sur mon écran. C'est dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse, mais... C'est pas la même. Faut que je les chope tous. Si, me dis pas falsaire. Près de mon écran, je suis un mongol, c'est juste à cause de mon micro qui est un pied. Mais... Non.
Quand même qu'on avance un je peu. Je cherche Tamara, la fille du baron sanglant. Votre frère m'a dit qu'elle était ici. C'est Wojtek qui vous envoie ? Sinon, comment saurais-je qu'elle est chez vous ? Un instant. Je vais la chercher. Un instant. Yao. Vous me cherchez ? À qui ai-je l'honneur ? Est-ce mon père qui vous envoie ? Oui, pour savoir si vous êtes en vie. Et comment vous allez ? Je suis Geralt de Rive. Je suis vivante et je vais très bien, Geralt de Rive. Mieux que jamais de toute ma chienne de vie. Maintenant que vous m'avez vue, bonjour chez vous. Attendez. Nous n'avons plus rien à nous dire. Votre père s'en bat les couilles du daron. Instable. Vous êtes fâché et aigri. C'est normal. Dans ce cas, pourquoi l'aider ? Pourquoi accepter ce travail ? Il sait quelque chose au sujet d'un être qui m'est cher. Il a promis de me le dire si je vous trouvais, vous et votre mère. Tout s'explique. Le chantage, tout à fait son style. Eh bien, vous m'avez trouvé. Dites-lui que je suis vivante et que je ne reviens. Ouais, mais où ta mère ? Avant que j'accepte de partir à votre recherche, votre père m'a raconté sa version des faits. Racontez-moi la vôtre. La mienne ? Elle est aussi maussade que... Elle est moche, non ? Le premier souvenir que j'ai de mon père, c'est celui d'un ivrogne vautré dans la fange, une bouteille à la main. Les 10 ou 12 années suivantes, c'est du pareil au même. Père buvant, disparaissant des jours entiers, et revenant pour piquer une crise. Heureusement, il y avait les guerres. J'étais heureuse chaque fois qu'il partait. Et les disputes ? Je le revois hurlant après ma mère. Je réentends les coups sourds qu'il lui donnait, ses sanglots à elle. Je me cachais sous mon lit, avide de silence. Les années ressemblaient à ça. Multipliées par 19, et ça résume toute ma vie. Jésus. On a fini par en avoir assez, mère et moi. Il est allé trop loin, alors on a fui. On sait qu'il l'a frappé, à quoi que ça se trouve même pas. Sans vouloir être indiscret, je sais que votre mère a fait une fausse couche. C'est la faute de père. Il l'a bousculée, elle est tombée. C'est ainsi que ça a commencé. Nous étions seuls. Tout se sent partout. La pire soirée de ma vie. J'en suis désolé. Ça a dû être horrible pour vous deux. Mère délirait. Elle répétait que c'était mieux ainsi, qu'elle n'avait jamais voulu ce bébé. La fièvre sûrement. Elle perdait beaucoup de sang. Elle ne voulait pas du bébé ? Elle disait qu'elle se serait éventrée plutôt que de mettre au monde son enfant à lui. Attends, je suis obligé de checker un truc parce qu'en vrai j'ai un doute. Ouais. Ça marche. Bien écrit. Ça marche pas. Ah si. Non bah non, ça marche pas. Ça marche pas. T'as vu que j'en serai mon cap demain. Allez là. Là, ça marche. Son bot qui est cassé. Et vas-y, après tu veux pas de camp. Ah ouais, c'est cassé. Ok, je fais ça. Voilà. Ça met toujours pas comment je pourrais peindre les gens, mais... Désolé, hein. Changement de setup, OBS, tout ça. Hein.
Wojtek prétend que votre mère avait des marques étranges sur les mains, qu'un monstre l'a attirée dans les bois. Est-ce vrai ? Oui. Nous chevauchions vers la rivière. Soudain, ma mère a crié et s'est penchée, manquant de tomber de cheval. En m'approchant, j'ai vu quelque chose de bizarre. C'est ma faute. Ses mains étaient en feu. Puis cette chose a surgi du sous-bois. Elle a rugi si fort que mon nez s'est mis à saigner. Je l'ai vu renverser des arbres. Jamais je n'ai eu si peur de ma vie. La créature a saisi ma mère et s'est enfoncée dans l'eau. Voilà. J'ai voulu faire demi-tour, la prendre en chasse, mais les chevaux paniquaient. J'ignore si elle a survécu. Attendez, donc je suis dans mon délire. Je crois que c'est ma faute. C'est où ? Mais je l'ai pas mis. Non, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave pour eux. Je suis désolé, mais pourquoi ça marche pas ? C'est quoi ce délire ? Ils ont changé un délire ? Non, je veux pas ça. Au pire, désolé. Hein. Non, je veux mon chat, moi. Je peux pas, donc. Ok. C'est pas grave. Je vais faire... Je sais pas. Une meilleure conf. Je suis désolé, hein, j'ai tout saboté, mais... Que comptez-vous faire ? Retrouver ma mère. Je m'en fous de son histoire, elle. Facile, vous savez. Je ne suis pas idiote, je ne compte pas agir seule. J'ai de nouveaux amis, des amis puissants. Ils m'aideront. C'est qui, tes schnappsers ? Si ce n'est pas un secret. Vous avez entendu parler du feu éternel ? Oh non. Un de leurs prêtres m'a aidé à contacter les chasseurs de sorcières. Tout, mais pas eux. Des hommes dévoués, sans peur. Ils m'aideront. D'où les bougies dans votre chambre. Vous croyez au feu éternel. Je les ai butées déjà. Elle vous renforce et vous guide sur la voie de la vérité jusqu'au dernier jour de votre vie. Puisse-t-elle vous réchauffer le cœur. Merci. Mais le feu, c'est imprévisible. On a vite fait de se brûler. J'avoue qu'il a raison. Putain, mais mon micro est encore trop fort, mais vas-y. Je vais faire ça. Je dois le remettre à fond. Tous les coups, même pas. Je repars là. Je veux dire que là, ça marche plus. Putain, vas-y, ça casse les couilles. Comme ça, au pire. Là, ça devrait le faire. Moi, si je parle doucement et tout, quoi que. Ouais, on a eu de merde. Hein. Et votre père ? Qui ? Oh, lui ! Je m'en moque. Pas question de retourner le voir. Cette partie de ma vie, je l'ai déjà oubliée. Eh bien, un sorceleur. Qui aurait cru que le baron embaucherait un tueur de monstres ? Mais il paraît que vous avez aussi des talents d'enquêteur. Je suis connu, on dirait. Mais vous ne vous êtes pas présenté. Graden, chasseur de sorcières, au service de sa royale majesté Radovid de Redania. Vous avez dû entendre parler de nous. Ça me dit quelque chose. Si le baron sanglant vous envoie quérir sa fille, mieux vaut l'admettre. Quérir sa fille. À l'échec.
s'en bat les couilles de sa fille, frère. De votre sollicitude. Grave. Quant à Tamara, son sort lui appartient. Quelle belle âme. Un dieu qui renonce à sa prime pour le bien d'autrui. Quoi? Les chasseurs du feu éternel vous remercient. Ah, je veux de la thune, moi. Ainsi, le baron a engagé un sorceleur pour retrouver sa fille. Intéressant. On a vu des pères aux abois tenter des tas de choses pour récupérer leur fille. C'est inattendu venant d'un sorceleur. Je croyais que les mutations vous purgeaient de toute humanité, de toute émotion. Pas besoin de mutation pour priver un homme de son humanité. J'ai été témoin de maints exemples. Ah, le bâtard. Où comptez-vous l'emmener ? Tamara a besoin de repos. Elle a vécu une expérience éprouvante. Quand la chaleur du feu éternel lui aura redonné des forces, il sera temps d'aller trouver sa mère. Avant que vous partiez, votre père m'a chargé de vous donner ça. Clara ? Père vous a demandé de me donner Clara ? Amusant qu'il ait cru me récupérer à l'aide d'un souvenir. Dites-lui qu'un beau geste ne rachète pas une enfance malheureuse. Adieu, sorceleur. Malgré tout, je vous sais gré de m'avoir laissé le choix, de ne pas m'avoir ramené de force auprès de ce tyran. Je suis pas un bâtard. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Adieu et bonne chance. On délire avec le chat. Une carte graphique en PLS, je crois. Bon allez, on se tape un gros boss, j'arrête de toucher au setup, il est comme il est. Je suis encore dans le rouge, hein. Putain mais... Franchement Streamlabs et OBS c'est pas la même. Hein. Pourtant j'ai PC. Arrête si je peux mettre encore moins, c'est mieux. Ah comme ça. Faut juste penser à faire ça, sinon je suis baisé. Hop, tout est bloqué, ok. Mais du coup, ça donne quoi? Ah, ça donne que si je pars doucement et tout. Ah, du coup, je vais me mettre comme as. Voilà, voilà, comme ça, là, ça, je pense que au pire des cas, ça sature un peu. Puis voilà, et si je pars doucement, c'est ok. Vas-y, on va faire un live comme ça. Le chat, tu veux me dire? Mon micro de travers, ça casse les couilles. Tout est prêt, nous n'attendons plus que votre arrivée. Quand j'ai parlé au commandant de votre engagement et de votre zèle. Dans un premier temps, vous devez suivre l'entraînement préliminaire, vous avez déjà montré... Vous avez déjà monté, manier une lame. Alors, vous avez déjà les bases, il ne restera pas beaucoup de temps. On ne prendra pas beaucoup de temps, et je suis pas dedans. Dès que vous porterez nos couleurs, nous vous partirons à la recherche de votre mère. Nous la trouverons, je vous en fais la promesse, mais s'il faut que cela... Même s'il faut pour cela ratiser chaque centimètre carré du vent de Velen. Enfin, de Velen. Allez, je vais pas y arriver, hein. J'arrive pas à voir si ça peut pas être encore trop fort.
Vas-y, loot. Allez, on se barre. On se barre, on se barre, on se barre. Vous savez ce qu'on dit sur vous ? Si vous voulez la justice, engagez. Putain, la flemme. Heureusement qu'il y a les TP, hein, parce que sinon ce serait chiant. Non mais je... Genre, mon micro est encore trop fort, mais j'y crois pas. Je peux pas... Vas-y, je peux pas mettre plus bas, c'est sûr, c'est fort. Ça, c'est pas assez fort. J'y crois pas à leur barre rouge. Surtout que je parle pas spécialement fort, donc... Donc y a pas de raison. Puis ce sera un live de plus de foire, c'est pas grave. Ton avis, connard. Qu'avez-vous à me dire ? J'ai donné votre cadeau à Tamara. Comment a-t-elle réagi ? Pas exactement comme vous l'espériez, je le crains. Elle a balancé la poupée. Balancé ? Dieu. J'espérais malgré tout. Wesh, oh. Adrien, comment ça va ? Des nouvelles d'Anna ? Je n'ai toujours rien de probant, mais je suis sur sa piste. Dans ce cas, pourquoi restez-vous planté là ? Ah oui, c'est du blabla, hein. Là c'est que des quêtes de l'histoire principale de façon. Ah non, je vais pas faire ça. N'écoute pas. Les petits gens voient des... Adieu. Je suis venu ici là juste pour me faire chier. De parler à ce gros porc. C'est un jeu de quête, hein, c'est pas... C'est où ? Soudain ma gueule. Je fais des mythos. Vas-y, c'est quoi l'histoire ? Pas plus tant que j'ai l'air d'avoir trouvé son épouse. Putain, j'ai pas lu ce qu'il m'a dit ce gros porc. Hein. Putain. Suis les pistes restantes à Vélène. Vas-y, on va aller voir les putes de moi. Tu t'es rire. Mais non mais. La pluie, faut pas oublier vos épaules. En mode, je sais pas si tu peux voir, mais en tous les cas, franchement, il est mortel l'écran. Franchement, rien que je te dis, hier j'ai joué à Valorant, mec, j'ai gagné toutes mes parties. C'est ultra pété en fait, hein, les 144 Hz, laisse tomber.
Du coup, maintenant, ma carte graphique, elle est en galère, tu vois. Genre là, j'ai pas pu mettre le jeu sur le format de mon écran, parce que sinon, je suis en galère. Ça marche pas. Un sub goal. Je sais pas si tu veux dire un sub, mais... Je sais même pas si j'ai les alertes, là. J'ai changé mes trucs, là. Je crois qu'il y a un qui fonctionne. Je peux même pas tester. Mais du coup, c'est un jeu de chill. Hier, j'avoue, j'ai saigné mon écran sur Valo. Là, j'ai joué toute la nuit. Je me suis dit, je vais pas refaire la même ce soir et tout. Mais il est grand. J'ai acheté un 27 pouces. Je croyais que c'était plus petit que ça, en fait. Genre, je me tape une télé, mec. Je crois que ça fait 60 cm ou 70 cm de diagonale. Je t'enverrai une photo, tu vas voir. Franchement, si tu viens jouer à Call of sur ça, si mes darons ils partent, là, tu vas kiffer. T'as regardé un film dessus? Bah non, non, j'ai pas besoin, hein, j'ai ma télé 4K, donc... Ça, c'est juste pour les FPS que je l'ai acheté, d'ailleurs. Mais j'avoue, il rend trop bien. Et comme c'est un écran cher, en fait, qui fonctionne avec ma carte graphique, tu vois, en gros, là, ça a stabilisé tous mes FPS sur ce jeu-là. Là. Genre, de base, mes FPS, ils faisaient de la merde, et là, maintenant, c'est réglé. C'est l'écran, il gère tout seul avec la carte graphique. Pour ça qu'il coûte cher aussi. Ah du coup je sais pas si c'est bon ou si c'est pas trop fort, enfin ou si c'est pas assez fort, j'ai baissé. Justement, les chats doivent être grands, non? Les chats, ah des ballards. Bah c'est plus petit que ma télé quand même. Hein. Et, du coup je te parle, je vais même pas au bon endroit, je fais de la merde. Il va pleuvoir. J'ai vu, je sais pas combien elle envoie la Xbox One. Que tu peux la brancher sur mon écran. Envoie un viewer. Vas-y. Vas-y, vas-y. Franchement, je pense que The Witcher il doit rendre dégueulasse. Que du coup, je peux plus encoder avec ma carte graphique. Et je sais pas. Je vais pas avoir un bête de CPU, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai le même que je suis H1. Et bah, ça rend de la merde. Bon, ben, ça fait 1000 ans, j'ai pas joué. C'est quoi, c'est Queen? Charlot. Bah, vas-y, hein, Charlot. Pas de soucis. Hein. Ouais. Des barres. Vous êtes quoi? Vous êtes chez Menez? Ah ouais, non, ça arme. Limite, sur mon retour, c'est plus propre, tu vois. Je sais plus, je vais, c'est quoi, c'est fait. Hein. Ouais. Choix H1, il a un pic à 10 000. Bah ouais, mais Choix H1, quoi. Je sais pas s'ils ont deux, s'ils ont deux PC pour diff, hein, en stream. Vérité vraie, j'ai donné mon ancien PC, j'aurais dû le garder. Vas-y, c'est bon, ils sont là, tes trucs. Je sentais des douceurs. Des douceurs. Je suis aveugle, hein. Ah ouais, mon PC est en galère. Ah mais c'est quoi que tu veux que je voie? Il a 3 PC. Non mais tu sais que c'est mieux en fait, c'est d'avoir un PC juste pour enregistrer ce que tu joues.
Et t'as pas besoin d'avoir un gros deuxième PC. Hein. Mon ancien PC l'aurait fait large. En fait, c'est un PC qui sert juste à encoder, donc... Et c'est un jeu de 2017, hein. J'ai beau avoir acheté une carte graphique à 500€. Ça sert pas à grand chose. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Le queue pour le punir, l'a pendu au plafond. Il a saigné comme un porc, et on a fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu, et on va te faire rôtir. Je sais pas si on va aller voir les morts, elles sont dégueulasses. Celui qui ira chercher du bois, c'est... toi. Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. Et donc encore une fois, ça c'est basé sur un livre, c'est normal que le jeu ce soit une histoire. C'est pour ça, je sais que ça t'intéresse pas les jeux comme ça, mais c'est la base du jeu. Je cherche les sorcières du marais de Torséchine. C'est vous qui avez une tête de sorcière? Les sorcières du marais? La cimère pour le follow, putain. Et moi? J'ai même pas le retour. On n'a pas le droit d'aller dans le marais. Grand-mère veut pas, quand mon frère Zé. Mais merci pour le follow. Y a rien qui fonctionne. Grand-mère a dit qu'il s'était perdu dans les bois. Il a beaucoup pleuré après ça. Il va peut-être revenir un jour. Et bref, le 3 il est pété parce que tu joues sa fille adoptive entre guillemets là, Siri, elle est trop pétée. Grand-mère est là. D'accord. Et d'où venez-vous? On est des orphelins. Tous? Qui dit guerre, dit orphelin. Vous saviez pas ça? Dis-moi où elle est. Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Et moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. C'est vrai, d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Je vous le dis comme je l'ai entendu. Désolé. Ouais, cyber pour le follow. Et je dis derrière, parce que franchement, les dialogues, ils sont trop bien dans le jeu. Franchement, c'est vraiment un jeu où les mecs s'en battent la race, quoi. Tu peux niquer toutes les meufs du jeu, toutes les meufs, tu les traites comme des putes. Enfin, c'est toi qui vois. Des barres. Tu peux me mettre en modo. T'es modo. Ah non, t'es que VIP. T'es pas modo. Ah non, t'es pas modo. Par contre, t'as Prime Gaming. Tu peux m'offrir un Prime gratos. Et par contre, putain, mais y'a rien qui marche. Vas-y, attendez, je vais off. Une seconde et je vais relancer. Ça me casse les couilles. Je sais pas pourquoi ma barre en dessous, elle marche pas. Ça va prendre une seconde. Attendez, je vais pré-shot. Je note modo. Je peux pas là, parce que j'ai changé, je stream avec deux trucs là, et j'ai changé, et y a rien qui marche, ça casse les couilles. Je sais même pas si le jeu il va être de la bonne taille.